Les astronautes chinois Qinghai Peng et Chen Dong ont passé leur cinquième jour à bord du laboratoire spatial chinois Tiangong 2. Ils ont déjà mené un certain nombre d'expériences scientifiques lors de leur courte période dans l'espace. Les deux hommes resteront à l'intérieur de Tiangong 2 pour un mois entier. Qinghai Peng et Chen Dong mènent des expériences dans le laboratoire spatial chinois et envoient des données sur Terre. Les deux hommes regardent régulièrement leur email à l'aide d'un ordinateur qu'ils ont ramené dans l'espace. Le vice-directeur du bureau spatial habité chinois et premier astronaute chinois Yang Liwei est en contact avec eux. Le travail dans le laboratoire se déroule comme prévu. D'après les données que nous avons reçues, la vie là-haut, dont la prise d'eau, la consommation de nourriture et les conditions sanitaires sont bonnes. Yang a déclaré qu'il n'est pas facile de travailler en orbite. Il faut davantage de temps pour mener les expériences dans l'espace que sur Terre. Les deux astronautes travaillent en synchronisation avec leurs collègues au sol. Ils se reposent un jour par semaine. Nous accordons davantage de liberté aux astronautes. Nous leur donnons leurs tâches et ils décident de la manière de compléter ces tâches au cours des 8 heures d'une journée de travail. Les deux astronautes recevront de nouvelles de Terre lors de leur mission d'un mois sur Tiangong 2. À l'avenir, les astronautes resteront très certainement pour des périodes plus longues. Pouvoir rester en contact avec sa famille et ses amis est donc primordial.